Salut la skatosphère, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo en street. J'ai pas de spot précis en tête, on va vraiment cruiser un peu dans le centre-ville, essayer de trouver peut-être des nouveaux spots. Je vous fais le début de la vidéo juste à côté de la mer pour vous envoyer un petit peu de soleil et quelques vagues avant de partir dans les rues. Cette plaza, je l'avais repérée avant de partir sur Google Maps. Donc on a les escaliers peut-être pour s'échauffer et surtout ce petit wall qui me faisait un petit peu de l'œil. Donc assez incliné. Bon, évidemment, c'est beaucoup trop incliné pour dropper d'en haut, mais on pourra certainement sortir en wally. Et de l'autre côté, je viens de voir qu'il y avait aussi un petit plan incliné et un bump. Donc on va peut-être tester les trucs. Ça faisait beaucoup de bruit, du coup j'ai arrêté. J'ai fait quelques tricks sur le mini kicker. Par contre, c'est l'entrée qui est pas fou du tout. Ici, ça accroche. Mais bon, c'est toujours fun. On va regarder vite fait le petit plan incliné là-bas. Voir si on peut faire, je sais pas, peut-être un wheeling ou un trick sans sortie. Bon, ici je pense pour le drop on aura besoin de Dustin Dolin au moins. Ouh. Allez, on continue à cruiser dans les rues, on va chercher un nouveau spot. J'ai bien kiffé le petit wheeling, sortie flip out, c'est cool, je suis en train de me réconcilier avec les wheelings en ce moment. Donc ça fait plaisir, on continue et on voit ce qu'on trouve. J'ai à peine fait une rue et je tombe sur ce spot. J'avais jamais vu. Je pense qu'on peut faire peut-être un nose wheeling en cercle. Je suis très mauvais en nose wheeling mais ça pourrait être un petit défi de tricks à rentrer, donc à tester, pourquoi pas. Bon, j'ai pas les skills pour le nose wheeling. Repièce, tu passes sur la vidéo, faut qu'on retourne sur ce spot. Il y en a un qui se fait plaisir derrière. Je fais juste un petit arrêt sur ce spot car le sol il est juste parfait pour faire du flat. C'est vraiment une grande plaza, donc vous avez vraiment toute la place pour faire le flat ground. Nous on va juste faire un petit trick ici entre les poteaux et on continue. Serait cool, mais il faudrait une tonne de wax.
ce petit spot, c'est le pavillon olympique de Badalona. De l'autre côté, il y a aussi des marches, mais moi j'ai préféré venir de ce côté parce que c'est plus sympa comme spot, il y a plus de place pour la réception. La prise d'élan, elle est un peu limitée, il y a des voitures, mais ça se fait quand même assez bien. Vous avez une petite marche juste avant d'arriver sur le gap, ça fait la difficulté du spot. Et petit truc en plus, c'est le revêtement ici. Vous l'aurez peut-être vu, si vous prenez la dalle dans un certain sens, elle roule super bien. Si vous la prenez dans le mauvais sens, ça vibre. C'est le type de dalle qui fait... Du coup, si vous faites une replaque en revert, en 180 ou autre, il y a de grandes chances que ça vous bloque. On va continuer à cruiser un petit peu dans les rues, voir si on trouve d'autres spots. C'est que des spots que j'ai jamais fait, donc je suis assez content de les rouler pour la première fois. C'est des petits spots cool, donc vraiment pour des sessions chill et sans se faire trop mal. Qu'elle a pas kiffé le street. Waouh, on voit quelque chose d'appétissant par là-bas. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas de roadblock, ça aurait été ouf. Ok, petit jeu, je me défie de trouver combien il y a de mignons sur le mur derrière moi. Abusé. Combien de temps ça aura pris au mec pour faire ça? Excellent, j'en peux plus! Ça fait plaisir! Est-ce qu'il y en a un qui va avoir le courage de compter tous les mignons? Faki Big Spin dans le drop-in, il y a un truc que vous n'avez pas vu dans un des trails. Quand je suis tombé en haut, ma planche avait parti super vite, il y avait une dame qui est arrivée de l'autre plan incliné et moi j'ai couru pour sauver la deck. Je me suis jeté sur le scooter parce que j'allais beaucoup trop vite et le scooter est tombé de la béquille, mais heureusement j'ai réussi à le retenir, donc il n'est pas tombé par terre, mais c'était chaud. Allez, on va se quitter là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez kiffé la session. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. On va se quitter devant les graffitis. Il y a un mur qui fait tout le long avec des graffitis vraiment chambés. On a même ici un arbre avec de la mousse réelle. C'était vraiment cool en tout cas de trouver des nouveaux spots. C'était pas des spots de fou, mais c'est toujours plaisant de trouver des nouveaux endroits où aller skater. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne session.